Satan, voilà. Retenez Satan, retenez sa puce. Retenez Satan. Souleymane Diallo, entraîneur titulaire de Tengue FC. Dembaba, premier adjoint Tengue FC. Hassan Kara, deuxième adjoint de Souleymane Diallo dans Tengue FC. Oui, moi c'est Mohamed Salzman. Je suis le préparateur des gardiens de but. La philosophie de l'équipe, c'est un jeu vers l'avant. Donc aujourd'hui, nous alternons les deux situations de jeu, à savoir le jeu de possession au jeu de position. Ça dépend du match que nous jouons. Donc nous allons apporter donc, de l'avant. Selon l'équipe d'Adjel, nous allons adapter. Maintenant, ça dépend de l'adversaire, effectivement, et ça dépend également de l'état d'engagement de nos joueurs durant la semaine. Mais ce qui est constant dans notre jeu, nous inscrivons notre jeu dans le sens de l'avant. En parlant de l'ambiance dans le staff, c'est une ambiance saine. On se complète, on s'entraide, on se dit les choses en face. Non, cool quoi. L'ambiance dans le staff va très 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 bien parce que on se comprend. On connaît les qualités des uns et les défauts des autres. C'est lui qui, en fait, il trace les dominantes. Après, les adjoints, c'est eux qui font le travail sur le terrain. En plus, lui aussi, il est dans le terrain. On se partage tout. Donc, si on doit dégager les 18, tout le monde est au courant. Tout le monde donne son avis. Les 11, idem. Ainsi que les séances d'entraînement qui sont dirigées par ma personne. Mais les dominantes sont connues par tous. Quand nous faisons notre briefing et pour attaquer l'entraînement, nous sommes déjà au diapason de ce qui doit se faire dès qu'on arrive au terrain. Après avoir mis les repères, c'est-à-dire les balisages et autres, donc nous rentrons, après avoir prié pour commencer la séance, nous rentrons nettement dans le vif du sujet avec des éléments bien codifiés. Les qualités, donc, Hassan Kara, lui, il peut facilement identifier un problème dans le match. Demba, lui, il est très fort, effectivement, pour solutionner, apporter. Mohamed, lui, c'est le soi des joueurs. Donc je pense que c'est la sommation de ces quatre qualités. Et moi, comme je suis tout le temps dans le match, eux, ils ont compris. Il faut qu'ils prennent un peu de recul, effectivement, pour amener des correctifs qu'il faut, effectivement, pour gagner nos matchs. Je vous assure, malgré son jeune âge, c'est l'un des meilleurs à ce poste-là dans ce pays. Parce que très organisé, est très 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 poli et humble. Un entraîneur humble, même si, comme M. Kara l'a dit, il est jeune, mais c'est quelqu'un de très humble, de très correct, même si des fois il peut s'emporter comme tout le monde, mais au moins il sait ce qu'il fait et il sait où est-ce qu'il veut aller. Je peux dire que donc c'est un homme unique. Le voir travailler étant un inconnu, par rapport à lui, dans les gradins, ceux qui viennent nous observer savent que ce monsieur-là sait où il doit aller et où il va. Mais les ambitions, c'est donc de prendre une ou deux coupes. Effectivement, on a un effectif total de 29 joueurs, parmi lesquels on a 3 gardiens de but. Donc la gestion des compétitions doit être un élément hyper important. Maintenant, on est conscient de cela. Cela a un impact à la limite. Pas du tout, je ne dirais pas négatif, sur l'organisation de notre jeu. Parce qu'on est obligé parfois de gérer le dosage de notre séance d'entraînement pour ne pas trop épuiser les garçons. On prend effectivement en ligne de mur l'effectif réduit et l'approche des compétitions. Nous n'avons pas d'autres ambitions que d'être au sommet du football de ce pays. Que les gens le veuillent ou non, dans un club qui joue un championnat d'élite, c'est le podium. Et nous serons sur combien de volets, vous pensez,
la Coupe de la Ligue, la Coupe du Sénégal et le championnat, nous serons dans ce trident-là. Et comme il a l'habitude de dire une phrase, les ambitions, c'est à chaque match de marquer des points. À chaque match, si tu marques des points, au final, tu peux terminer, Inch'Allah, premier ou deuxième. Parce qu'on ne peut pas faire en dessous de quatrième. Parce que l'année dernière, on a fini quatrième. Donc, on prie que le bon Dieu nous assiste pour qu'on termine soit premier ou deuxième. Donc, Inch'Allah, c'est ça les ambitions. Donc, la sommation des points, comme il a l'habitude de le dire.